Salut les barbus, aujourd'hui on est le jeudi 12 mai et c'est mon jour off, mais c'est pas une journée de repos du tout puisque je suis en train d'exporter le vlog d'hier et on va mettre en ligne, d'ailleurs on va le faire ensemble, l'épisode 142 établi, où je transforme une table Ikea pourrie en presque établie. Hop, je passe de non répertorié à public. Et voilà, l'épisode est publié. C'est pas beau ça? Ben non, c'est pas beau, on s'en fout. Aujourd'hui, un programme super chargé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai tout le boulot administratif à faire, là maintenant. Des mails à envoyer, ma déclaration d'impôt à faire. Il faut que je maille enfin les palettes à bière pour les trois gentils barbus qui les ont gagnés. Je range un peu le bordel, je tourne un épisode de la Grotte du Barbu, et puis faut que je finisse de tourner un petit tuto de présentation pour le Theta-S, la caméra 360 de Chirico. Je vais faire 4 petites vidéos pour les amis de Chirico. Le jeudi, même si c'est un jour off, on chôme pas, comme d'habitude, levé 6h30 du mat', emmener la demoiselle à l'école et bosser toute la journée pour moi. Voilà, j'ai fait ma to-do list avec mon super to-do lister que je me suis imprimé en 3D. Et c'est un peu la thématique du jour, on va parler de work ethics. Je sais pas trop comment ça se traduit en français, enfin j'ai Google Translate le traduit par déontologie. Le but ici, bien sûr, c'est de dire, sans travail et sans une certaine éthique du travail, c'est très difficile de faire des choses. On passe son temps à branler les mouches et à pas faire grand chose. Ce qui veut dire que, à part pour le samedi et le dimanche, et encore, tous les jours, je me lève à 6h30, voire même un peu plus tôt, quand je peux. Et tous les jours, je me couche pas avant minuit, certaines fois 22h quand je suis crevé. Le but n'est pas de dire il faut bosser comme un fou. Le but est de dire si vous voulez que les choses se fassent, il n'y a pas de raccourci. Le seul truc, c'est le travail. Et c'est aussi la méthode. C'est pour ça que j'ai mes to-do list. Parce que sinon, j'oublie plein de trucs. Et les to-do list, j'en ai plein. Partout, tout le temps. Donc certaines où il y a plein de trucs qui sont pas cochés. Mais c'est vrai qu'on est dans une société qui est très instantanée, et où on pense que tout va arriver en une demi-seconde. C'est pas le cas. Ça arrive pas parce que quelqu'un vous trouve vous êtes trop cool, vraiment, j'adore vraiment ce que vous faites. S'ils adorent ce que vous faites, c'est parce que vous avez passé énormément de temps à bosser sur les trucs, à faire des trucs qui marchent pas, à foirer, à recommencer, et ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais en même temps, c'est ça qui est fun. Thank you.
encore jeudi, il est 13h13 et j'ai bien avancé sur mes tâches de la matinée. Donc une matinée bien remplie et j'ai mérité une petite sieste d'une demi-heure. Non ? Tu penses pas ? Si. Moi je vous le dis, j'ai mérité. On parlait de la déontologie du travail. Pour bien travailler, il faut savoir aussi un peu se reposer. Et une petite demi-heure de sieste, ben moi ça me fait super du bien. Et ça me permet ensuite de repartir, pam pam pam, à fond, pour pouvoir tourner un petit épisode de la Grotte du Barbu. Et puis, un des tutos pour les aminches de Rico. La sieste est finie, j'ai dormi un peu plus que prévu, 15 minutes de plus. Mais ça fait un bien, c'est un truc de malade. Une après-midi un peu chargée. Il me reste à peu près 2 heures avant de devoir me barrer pour aller chercher mon micro-monstre. Et il faut que je range un peu le bordel et surtout que j'entame mon petit épisode de la Grotte du Barbu qui va être bien rigolo, où je vais faire cramer des trucs et chauffer des machins avec une torche. La torche, j'adore. Et j'aurai un peu de temps ce soir pour faire peut-être un peu de montage vidéo ou des trucs comme ça. Donc un jeudi speed avec plein de choses à faire, mais qui globalement était plutôt productif. Et c'est ça en fait une des parties du work ethics, c'est que c'est pas rien branler pendant un mois et essayer de speeder pendant une journée, c'est tous les jours. On creuse un peu et on avance et on va là où on pense qu'on doit aller. Donc fuck l'espèce de génération Koh-Lanta et machin truc où ils pensent que parce que t'as bouffé des insectes et t'as montré ton cul pendant 2 semaines, tu vas devenir riche. Et t'es pas riche, tu gagnes quoi, 10 000 balles honnêtement. Moi, je veux bien aller montrer mes fesses à la télé. Mais c'est au moins 6-0 quoi. Voilà. Si t'es producteur, tu connais mon email, tu prépares le chèque, yep, y a pas de problème. Voilà, il est 22h30, je me suis réfugié dans la salle de bain puisque la petite demoiselle dort, fin de la journée, ou presque, il reste encore le linge à étendre, journée un peu foireuse, il a plu beaucoup, et donc j'ai pas pu faire ce que je voulais pour la Grotte du Barbu, mais c'est pas grave, et on en revient justement à ce que je parlais, du work ethic, la déontologie du travail. C'est-à-dire, ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est pas grave, puisque j'aurai demain soir, samedi, dimanche, et même lundi, puisque c'est la Pentecôte, pour continuer à essayer de faire ce que j'ai besoin de faire. Donc, c'est-à-dire, même si ça foire, c'est pas grave. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Si j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais, c'est pas grave non plus. De toute façon, on n'arrive jamais à faire tout ce qu'on veut, mais on continue, on lâche rien, et voilà. Ben, merci à tous et à très bientôt.